je vais aller contacter le GRE. Ok, allez, là je vais te lancer. Allez, monte. Oh non, fuck, ils font chier. Les humains sont plus chiants que les zombies dans le jeu, donc on va le laisser tranquille. On forme un peu les plantes. J'imagine qu'il va falloir monter sur le toit, enfin sur la route là-haut pour accéder au GRE. Hop là. Wow. Ah, pourquoi des fois il s'accroche pas ce con? Et encore que non, en fait c'est même plus bas. Ah, d'accord, c'est sur ça qu'il fallait. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Donc du coup, j'en profite aussi parce que du coup j'ai trouvé le... J'ai trouvé le flingue pour Daoud. Donc j'irai la ramener à la tour des survivants. Ok, terminé. Voilà. Ah oui, du coup, il va falloir aller récupérer des marchandises pour Rice. Bon, du coup, vu qu'il est juste là, je vais y aller. Pourquoi j'ai un point bleu sur ma carte? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. S'il indique quoi, mon point bleu? Ah bah oui, il indique chez Rice. Ok, donc on s'en fout. Oh, je prends. Merde, on peut pas passer par là. Voilà. Karim, je suis au garage. T'as pris ton temps. Fais ce que je t'ai demandé et dépêche-toi. Ce n'est que le premier arrêt. Bon bah forcément c'est fermé par là. C'est fermé par là. Je fais des promos pile en ce moment. Ah non d'accord. Ok, je vois où c'est qu'on est. Alors. Ouais Jafar. Okay. Fais qui toi? Mon ok, ok. Aucune importance. C'est Rice qui m'envoie. Et tu lui dois de l'argent. Je te connais pas. Qu'est-ce qui me dit que tu viens de la part de Rice? Allez, fiche-moi le corps. Très bien. Voilà ce que je te propose. Je te casse les deux jambes et je te traîne jusqu'à chez Rice. Comme ça, il pourra t'expliquer pourquoi t'aurais mieux fait de coopérer. Ça va, ça va. Tu fais clairement partie de la bande de Rice. Ce sont des brutes impitoyables. Voilà ton argent. Prends-le. Et si je dois revenir ici? Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord? Ah, cool. Du coup, il me laisse passer. Il n'y a rien à récupérer ici. Il n'y a rien à récupérer. Oh, je suis dégoûté. Bon, bah tant pis. Merde, fuck, je comprends pas. Persuadé Jafar. Mais c'est bon là. Il est persuadé. Karim, c'est ah, moi. D'accord, ok. Il a menacé un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bon, maintenant tu vas chercher l'attaque au village des pêcheurs. Dirige-toi à l'est vers l'entrée du tunnel. Tu tomberas sur leur messager. Je fais des courses pour Rice. Et il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, le temps presse.
au Brecken. Je sais. Juste m'assurer que tu comprends la situation. T'as oublié que j'étais infecté? La motivation manque pas, crois-moi. Très bien. J'espère juste que tu pourras rentrer à la tour rapidement. Qu'est-ce que c'est que ce point? Ah, d'accord, il fait de l'échange. Ah, la hachette simple aurait été sympa, mais j'ai pas le niveau pour. Et je peux pas l'acheter non, tant que j'ai pas le niveau. D'accord, bon. Ok. Bon, sinon, par rapport à ce que j'ai, ça va pas me servir à grand chose. Je vais revendre une matraque. Celle-là, je vais la revendre aussi. Je garde un peu de reste. Oh, salaud! Je pensais vraiment réussir à passer entre. Là-bas. Qu'est-ce que t'as, toi? Les champignons fluorescents, j'en ai un bon paquet. 158. Mais en même temps, si j'attends encore un peu, quelques niveaux, je pourrais les revendre encore plus cher. Ça peut être plus intéressant, même. On referme les portes, on sait jamais. Un peu de fouille. De la corde, une bourse, très bien, ça se revendra. Pièce électronique. Il y avait rien. Et hop là. Évidemment, ça s'ouvre pas. Ah, c'est cool là. Ok. Wow. C'est dingue. Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes yeux. Ouais, on les appelle des enflés. Pas mal. Plaisante. T'approche pas et tout ira bien. Et le messager, tu l'as vu? Non, j'ai vu personne, à part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle Courcelle. Bon, à part là. J'imagine que ça va être très dangereux de passer par là, moi. Ok, bon non, en fait, je peux pas passer par là. Bon, bah allez, on ressort. On ressort. Ah, j'ai envie de le tenter. Il n'y a pas de monstre autour. Allez, on verra bien. Ça va être la merde à ouvrir encore. Il me reste combien de deux? Oh là là, bon bah je vais peut-être pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. J'ai absolument même pas trouvé le point faible du machin, donc. Là c'est plutôt mort. Non, on peut pas passer par là. Putain, c'est qu'en plus il y en a plusieurs des véhicules de flics par là.
Ah si, on peut passer par ça. Ah bah non. Ah si, j'ai réussi, il fallait... Oh, j'avais pas vu que c'était un... Ok, c'est pas grave. Ça, c'est un exploseur aussi, apparemment. Pas vraiment sauter comme ça dans l'eau quoi. Ah salaud. Ah mais c'est toujours lui qui me suit en fait. Chaud non? Sauter un peu plus loin, on sait jamais, pour être sûr. Waouh putain, j'y crois pas. Ah merde, 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 merde. Et merde. C'est con. Bon du coup ils m'ont pas remis trop loin apparemment. Je vais y aller peut-être. Ah bah je tiens, je vais essayer celle-là d'ailleurs. J'ai pas compris ce que je devais faire. Ah non! En plus j'ai pas mal de... J'ai pas mal de balles. Ah oui mais je suis con parce que du coup le bruit ça les attire.
Au moins que je défonce les plus chiants. Refermer la porte et débarrasse. Ah mais je suis con, d'accord. Ok, putain, fais chier, bordel sa mère. Oh merde, en plus ils m'ont remis là du coup, putain, fais chier. Oh non, putain, on prend pas des dégâts aussi pour grave. Je referme la porte avant qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Oh salaud. Ok, donc là c'est bon. Chercher le chef dans les huttes. Allez. Hey, y a quelqu'un? Non, j'ai trouvé le premier coup, ça va, nickel. Je les ai éliminés, mais vous feriez bien de renforcer la porte avant que d'autres se pointent. Tu les as éliminés? Tous? C'est Rice qui m'envoie. C'est toi, Gourcel? Ah, tu travailles pour Rice. Ouais, évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Vous avez eu votre part, ça suffit. Vous ne pouvez pas en avoir plus. Firkin, dis-lui. Ayla, c'est bon. Laisse-moi parler. Vous ne pouvez pas vous servir de nous comme ça. Firkin va vous botter les fesses. Firkin! Ça suffit, je veux pas d'ennui, mais on a déjà payé ce mois-ci. À ce rythme-là, on sera vite à sec. C'est pas mon problème. Rice veut son argent. Alors, tu me le donnes, sinon ça va mal tourner pour toi et pour ta femme. Vous ne pouvez pas nous menacer. Botte-lui les fesses, Firkin. Ferme-la un peu, Ayla. Très bien. Tiens, le pompier. Tu parles d'un homme, toi. Une vraie mauviette. Allez, je te laisse. J'ai l'impression que l'argent est le cadet de tes soucis. Ok, bon. Karim, j'ai l'argent de Gourcel. Je me déteste, mais j'ai l'argent. Ça passera, t'inquiète. Il te reste un tour à faire. Cette fois, tu vas aller au débarcadère, au vieux port. Il y a des bateaux ici? Il y en avait un avant que les militaires le coulent. Des dizaines de gens se sont retrouvés à attendre un ferry qui n'est jamais arrivé. Il reste des bateaux? Oui, et les bateaux qui tentent de quitter la baie sont immédiatement coulés. Collier à clous, pas mal. Note. Je vais juste checker.